Bienvenue à toutes et à tous. Alors, il y a énormément de têtes que je connais, il y a aussi énormément de têtes que je ne connais pas. Comment vous nous avez connus? C'est une vraie question. Par hasard? Par hasard, sur les réseaux? LinkedIn. On continue LinkedIn. Le site de MAM. Merci tellement, MAM. Ok. Oui? Ok. Irène, ok. On continue, MAM. En même temps, c'est grâce. Oui. Bref. Donc aujourd'hui, on reçoit Peggy Ropars, qui est au-delà d'une amie, celle que je veux devenir dans quelques années, quand je ne serai plus un bébé, en fait, et qui va nous présenter un de ses sujets d'intervention qu'elle a l'habitude de donner dans le cadre de son travail, qui est équilibre de vie et gestion du temps, améliorer votre quotidien. Très égoïstement, je vais aussi prendre de l'information parce que ça m'intéresse directement. Juste avant de commencer, donc pour ceux qui nous découvrent, TADIX, Tour Agile et DevOps Experience, en fait, on donne un meet-up tous les mois. Donc, via différents réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, dont LinkedIn, dont le site de MAM. On fait un peu Facebook, Twitter, et puis on a notre site, du coup, si vous cherchez TADIX, vous allez tomber sur TEDx, qui nous ont tout piqué. Mais sinon, vous, voilà, tedx.fr, vous avez notre site avec aussi tout ce qui s'est déjà passé, qui pourrait vous intéresser et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Cela étant dit, comment ça se passe TEDx généralement? Donc la séance est filmée. On la met ou pas. Après, on discute avec le speaker et c'est le speaker qui décide si on le met sur la chaîne. Tout simplement parce que des fois, on teste des choses, donc on n'a pas forcément envie que ça se voit. Et puis, au contraire, des fois, ça fait un peu de pub. Donc voilà, sachez que si vous voulez présenter un sujet, vous lancer, c'est aussi le but de TADIX. Simplement, qui ne souhaite pas figurer sur les réseaux, si on prend des photos, très bien. Généralement, on les prend de derrière pour s'éviter justement toute problématique, mais voilà, on vérifiera du coup que c'est OK. Et enfin, une collation est proposée après la présentation. Qui souhaite rester? Alors, c'est des pizzas et c'est du soda ou des jus de fruits. C'est très minimaliste. Tu ne compteras jamais pour deux. Ah, Jean-Loup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est offert, hein, donc voilà. N'hésitez pas à rester, même si vous changez d'avis. J'ai dit 14. Au niveau des sponsors, un énorme merci à Psytop et à Sensi. Ce sont... Et puis notre sponsor, on ne sait toujours pas qui c'est. Merci à lui. C'est grâce à eux, en fait, que TADIX existe depuis 5 ans. Donc, fidèle depuis 5 ans. Ça va peut-être même faire 6 ans, à force de le dire, 5 ans. Et c'est grâce à eux qu'on a mangé. C'est grâce à eux aussi, quand il y a besoin, qu'on défraie les speakers et les speakeuses qui viennent à TADIX. Donc, voilà. Et un énorme merci à MAM, qui est notre sponsor salle, qui nous prête gratuitement la salle une fois par mois. Donc voilà, c'est génial. Je reviens, je vais mettre mon petit costume. Voilà, voilà. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens d'abside. Non? Donc je vais faire comme si... Ah, je suis abside. Tac, voilà. On est quand même assez gâtés. Donc, attention. Pardon. Ça fait du bruit? Tu couperas? Aura lieu le 6 novembre à 18h dans les locaux d'Abside qui se trouvent 47 rue Fabienne Landy à Saint-Pierre-des-Corps. C'est très pas facile de se garer, mais ça va être super. La prochaine TechPaf qui a déjà eu lieu l'année dernière. Le but, c'est quoi? C'est juste de connaître Abside, de rencontrer les gens qui y sont. Nous, notre but, ça va être aussi de vous donner envie de venir travailler à Abside. C'est surtout des très bons moments. Et on a chacun de nos experts qui vont venir vous présenter de manière assez ludique quelques petites choses pour vous montrer ce qu'on fait dans la région de Tours. Donc voilà, cette année, j'y serai pas. Hélas, je ne pourrai pas y aller, souci de calendrier, mais je vous invite à y aller parce que c'est toujours très, très, très sympa. En tout cas, l'année dernière, on a bien mangé, il y avait des gaufres et des glaces. Voilà, ça c'est fait. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres costumes à mettre. Calendrier, ça c'est pour ceux qui souhaitent revenir parce que c'est vraiment vachement sympa TADIX. Le 12 novembre, c'est un mardi, Katia Immer nous fera le plaisir de venir nous présenter sa checklist ultime pour rendre les applications cloud natives sur lesquelles vous travaillez. C'est une des dernières dates, elle est déjà passée à Tour & Tech je crois l'année dernière,
D'habitude, on ne fait pas réintervenir les speakers de Touraine Tech. On fait une exception parce qu'elle a évolué, sa conférence, et que nous, à travers nos missions, en fait, on l'applique quasiment tout le temps. Donc, c'est d'utilité publique. On est en train de se renseigner pour le faire rembourser par la sécurité sociale. Pardon. Le 18 novembre, il n'y a pas encore d'ordre du jour, mais la FUP organise un meet-up. Pas d'ordre du jour, pas de précision plus que ça, mais suivez-les parce que à chaque fois, c'est intéressant. Et nous, on revient pour une dernière date en 2024, le 9 décembre. C'est un lundi. Donc, tous ceux qu'on crée l'habitude le mardi, voilà, c'est un lundi, le 9 décembre. Et on reçoit Rémi Verchère qui vient de Marseille pour nous parler de 2 ans de migration en environnement cloud native quand on n'est ni une start-up, ni dans le CAC 40. Oh, ça m'intéresse. Voilà, ça c'est nous. N'hésitez pas à nous suivre et à proposer des sujets. Et je passe la main à Peggy. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais essayer de rester là. Si je suis là, est-ce que tout le monde voit bien l'écran et tout? Bon, en même temps, je dis ça, mais je bouge tout le temps. Donc, au final, je vois pourquoi je vous demande. Donc, c'est parti pour vous parler de l'équilibre de vie et de la gestion du temps. Donc, je vous propose, en fait, pour cette conférence, de faire une métaphore sur le voyage. Vous connaissez tous le voyage, je pense que vous avez déjà peut-être tous voyagé, où que ce soit dans le monde, ou en France, ou près de chez vous, peu importe. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire ce voyage. Moi, j'aime bien quand il y a des échanges pendant la conférence. Je n'aime pas parler toute seule pendant 1 heure et demie. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser vraiment pendant, et comme ça, on avance. Et donc, c'est pour ça que je dis à peu près 1 heure et demie, parce qu'évidemment, ça va dépendre de vos questions. Mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, même si c'est pour une question, si c'est parce que j'ai parlé trop vite, pas assez fort ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire et puis on échange ensemble et on avance comme ça dessus. Ça vous va? Ok? Ça roule. Donc, je vous explique un petit peu ce voyage, on va le faire, on va commencer déjà par définir un petit peu la destination, c'est-à-dire quand on parle d'équilibre de vie, c'est savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? C'est ce qui va nous permettre de savoir où on veut aller, donc vraiment définir cette destination. Dans un deuxième temps, on va parler un petit peu du trajet. On va aller définir ce plan-là, ce trajet, parce que avant de tourner en rond, quand on est en train de rouler ou d'aller quelque part, on a besoin d'avoir un itinéraire. En fait, c'est un petit peu le GPS pour savoir où on veut aller. Et dans cette étape-là, je vous proposerai des étapes et des conseils pour bien gérer le temps de manière assez efficacement, en tout cas autant que possible. Et sur la dernière étape, vous savez, quand on voyage ou quand on va quelque part, des fois, il y a des routes barrées ou des travaux, des choses comme ça. Je crois que ça arrive un petit peu sur Tour en ce moment et un petit peu. Vous verriez à Clermont-Ferrand où je suis, c'est une catastrophe. Donc, c'est comment on va gérer ça, parce que parfois, on établit un plan. Vous savez, on a tous déjà fait au moins un plan dans notre vie. Et puis, y a notre plan idéal et puis il y a des petites choses, des imprévus qui vont un petit peu bouleverser tout ça. Ça se passe rarement exactement comme on l'a prévu. Donc, c'est comment on gère ça du mieux que possible pour éviter en tout cas le stress et pour continuer à avancer vers notre objectif, vers notre destination. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Alors, il n'y a pas de ceinture à attacher. Vous allez voir, on reste sur place, ça va être tranquille, ça va bien se passer. Alors, quelques mots sur moi, si vous avez des questions pour savoir un peu qui je suis, je peux y répondre, mais ce n'est pas trop le sujet de la conférence. Mais en tout cas, moi, je suis coach professionnel, donc je suis formée au coaching professionnel, mais après, j'accompagne en conférence, formation, atelier et tout ça sur les thématiques souvent du changement, de la transition principalement. Bon, après, vous avez différentes petites choses sur mon passé qui a été varié. Il y a eu aussi des plans et puis il y a plein de plans qui ont changé et ça fait partie tout simplement de ma vie. Go, on y va? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé par vous mettre une petite phrase parce que comme vous voyez, si on ne sait pas où on veut aller, ça c'est une règle en coaching, mais c'est une règle pour la vie en général. Si on ne va pas définir là où on veut aller ou en tout cas ce que l'on veut, au final, on n'ira nulle part. Où on risque d'avancer, mais on sera moins acteur, on sera plus dans subir les choses que décider. Imaginons que vous voulez aller à Paris, donc vous appelez un Uber. Il y en a? Ah non, il n'y en a pas à Tours. Ah, le pauvre, il a été épuisé. Vous appelez le Uber, allez, ou un taxi qui est dans le coin, et vous dites, voilà, vous montez dedans, il arrive, il vous ouvre la porte, vous vous installez à l'arrière, et vous lui dites, je ne veux plus rester ici. Ah, vous allez dire, ok, mais moi, si vous ne me dites pas où on va, je n'avance pas, quoi. Donc, vous allez devoir préciser un petit peu. Ok, donc j'aimerais bien aller à Paris.
Bon, déjà, ça précise un peu, mais Paris, c'est quand même un petit peu grand. Donc, où est-ce qu'il vous amène à Paris? Donc, après, vous allez peut-être lui dire, bah, j'aimerais bien visiter des monuments. OK, mais lesquels? Donc, petit à petit, vous allez devoir lui formuler une demande précise pour qu'il puisse vous amener là où vous souhaitez. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller réfléchir justement à ça pour aller décider de ce qui est important pour vous et ce que vous souhaitez. En coaching, souvent, les gens arrivent et disent « je ne veux plus ça » ou « je ne veux plus être ici », comme dans l'exemple du chauffeur. Dans l'exemple du chauffeur, vous restez à Tours. Hein. Vous ne bougez pas, vous n'irez pas à Paris si vous dites que ça. Donc, c'est vraiment l'importance d'aller être acteur et de décider de quoi vous avez besoin et envie. Donc, pour cela, on va aller commencer sur ce premier point. Je vous parlais tout à l'heure de la destination. Qu'est-ce qui est important pour vous et sur quoi vous avez envie de mettre votre énergie? Ça, c'est aussi important parce que parfois, on dit « oh, j'ai envie de faire ça ». OK. Une fois, on m'a demandé de quoi, qu'est-ce que tu as envie de changer en ce moment dans ta vie? Et moi, j'ai dit bah, « j'aimerais bien tous les matins me lever une demi-heure plus tôt, faire de la méditation, dehors, prendre l'air, etc. etc. » Et on m'a dit « tu as envie de t'investir à quel point là-dedans ?» Sur un pourcentage sur 100. Et là, j'ai fait bah, « en ce moment, 20% quoi. » J'ai d'autres priorités en ce moment en fait. Donc, l'investissement qu'on veut faire, qu'on veut mettre, c'est vraiment aussi très important. Il n'y a pas que l'envie, il y a l'investissement, le temps, l'énergie, l'argent, etc. Donc, c'est vraiment important d'aller définir cette destination en ayant conscience de tout ça. Donc, ce que je vous propose, je vais vous présenter pour cette partie un exercice. Ça se trouve, vous le connaissez, vous me direz. Et si vous voulez le faire après, vous pourrez récupérer, si vous le souhaitez, les supports. Et vous aurez comme ça le support pour refaire l'exercice. Enfin, pour faire l'exercice chez vous. Vous pouvez même le faire en direct si vous avez envie, si vous avez de quoi écrire. Donc, je vous propose un exercice. Qui connaît la roue de la vie? Vous l'avez déjà utilisé? Non? Bon, bah, super. Tu l'as déjà utilisé? Non, mais je l'ai vu une conférence. Tu l'as vu? Ah, super. C'est cher. Ouais, c'est clair. Tu as déjà des bases. OK, donc je vous propose cet exercice de la roue de la vie. Donc, c'est assez simple, ou pas, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc, la roue de la vie, on peut se baser donc sur, je vous propose en tout cas, parce que vous en trouverez plein sur Internet, si vous allez voir, il y en a plein qui se ressemblent, plus ou moins. Moi, j'aime bien celle avec ces 5 thématiques, j'en ai regroupé certaines, etc., parce que c'est ce qui me paraît important par rapport aux besoins essentiels de chacun. Ça marche si je fais ça? Oh, c'est léger, hein? C'est tout petit. Donc, bref, vous avez ici les 5 thématiques, donc avec la notion de relation. Alors, moi, je sépare, j'aime bien séparer. Alors, si vous êtes célibataire, vous faites comme vous voulez. Mais j'aime bien séparer la relation famille-amis et puis le couple. Parce que parfois, quand on est en couple, en tout cas, c'est intéressant de le séparer pour vraiment voir l'importance que l'on donne en termes de temps, d'énergie, etc., à l'un et à l'autre volet. Donc, il y a ces deux aspects, famille-amis et puis le couple. Il y a aussi tout ce qui est le loisir personnel, les ressources. Ça, je vous en dirai aussi un mot. Tout ce qui est santé et activité physique. Alors, peut-être que vous allez me dire, bah oui, mais moi, si je fais du sport, c'est du loisir. Donc, je le mets dans santé ou je le mets dans loisir, je le mets dans quoi? Ça dépend pourquoi vous faites du sport. Il y a des personnes qui font du sport uniquement parce que c'est un besoin pour leur santé, mais on ne peut pas dire qu'elles prennent beaucoup de plaisir. Et puis, j'entends. Non? Ok, j'irai rien. Et puis d'autres, vraiment, c'est plus que cette notion-là. C'est vraiment un vrai plaisir, c'est un besoin, ça fait du bien, etc., etc. Et le dernier, c'est le travail. Le travail, il fait quand même pas mal partie de notre vie aussi, donc c'est intéressant de voir la place qu'il occupe dans notre vie. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est cet exercice. Je vous donne un exemple à l'écran pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Alors, ma roue, moi, je l'ai séparée en petits... il y a plein de petites portions de 5%. Mais de voir un petit peu, là, je vous donne un exemple d'une roue. Alors, je commence peut-être par le début avant de vous dire tout ça. Quand je propose cet exercice, l'idée, c'est d'aller faire une image de comment vous percevez votre vie en ce moment. C'est pas une roue, il n'y a pas de roue parfaite de toute façon. Il n'y a pas de roue idéale pour tout le monde. C'est chacun pour soi. Et c'est vraiment votre vision de votre vie en ce moment, à l'instant T où vous faites la roue. Bien sûr, ça peut varier énormément dans toute une vie. Donc, c'est de se poser la question, se dire quel temps, quelle place je laisse à chacune de ces 5 thématiques. Comment ça se passe si je prends mon camembert ou ma roue? Si tout ça, c'est 100% d'une journée ou d'un mois, ou voilà, vous voyez un petit peu comment vous voulez le construire, mais de voir un petit peu quelle place vous laissez à chacune de ces 5 thématiques. Oui? Et vous recommandez de le faire
pense, ou de regarder vraiment, parce qu'il y a souvent un écart entre le temps qu'on pense passer dans chacun des thèmes, oui, et la réalité. Donc c'est la répartition imaginée, ou la répartition en prenant notre agenda. Si vous pouvez le faire avec l'agenda, c'est mieux. C'est beaucoup plus réaliste, en fait. Après, si vous pensez qu'il peut y avoir un grand décalage, ça peut être intéressant de faire les deux. De commencer par ce que vous imaginez et puis ensuite de sortir votre agenda. Parce que ça peut vous donner des pistes pour ce que je vais vous dire juste après. Donc, les deux peuvent être intéressants. Mais sinon, là, c'est bien de prendre vraiment la réalité, justement. Mais c'est clair qu'il peut y avoir une grande différence parfois entre ce qu'on imagine et la réalité. Ça peut même être intéressant de le faire avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous connaît très bien, un partenaire ou même un collègue ou n'importe quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup. Vous pouvez même le faire en chacun pour vous et puis après, vous pouvez en discuter pour peut-être même vous questionner et vérifier que cette roue, elle est vraiment réaliste au final. Vous pouvez même le faire en couple séparément. Puis après, vous mettez et vous en discutez parce que il y a cette petite notion du couple qui est là, qui peut être intéressante et ouvrir un peu des discussions sur le couple. Donc, si vous avez envie de tester ça, vous pouvez. C'est vous qui voyez ce que ça peut donner, mais voilà, ça peut être intéressant quand même. Donc là, dans l'exemple que je vous ai mis à l'écran, vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de travail, qui est à peu près à 70%. Donc, dans cette personne-là, cette personne qui a fait cet exemple-là, il y a un petit pourcentage sur l'activité physique, sur les loisirs personnels. Alors oui, je vous ai dit loisirs et développement personnel, derrière cet item-là, il y a vraiment tout ce qui vous fait du bien. Donc, ça peut être aussi de l'activité physique, ça peut être de la lecture, ça peut être du développement personnel, ça peut être de l'apprentissage, ça peut être des voyages, ça peut être de la méditation. Oui ? J'ai une question, moi, c'est oui. Il y a quelque chose que je vois qui rentre dans aucune catégorie, c'est ce qui est obligatoire. Faire les courses, faire le ménage, faire les trucs comme ça. Oui. Tout ce qui est intense. Oui. Ça se range dans le travail ? Ça se range dans quoi ? Alors, ce qui est parti là, obligatoire, qui ne sont pas dans le travail, qui sont des autres petites choses de la vie quotidienne, on va dire, ouais. Pour moi, ça ne rentre pas dedans parce que justement, il y a cette notion d'obligatoire. Okay. Donc, au final, ça, on ne peut pas trop interagir dessus. Après, ça peut quand même s'organiser, mm-hmm. effectivement, mais puisqu'il y a cette notion d'obligatoire. Alors, le travail aussi, évidemment, c'est obligatoire. Mais le travail, il y a des personnes qui vont travailler leur rythme qui est défini par l'entreprise et puis d'autres qui vont faire beaucoup plus aussi. Donc, c'est d'aller voir un petit peu le... Et puis, c'est pareil, il y a ce qu'on ramène chez soi du travail qui occupe aussi l'esprit, etc. Donc, le travail, c'est vraiment tout le temps qu'on est occupé au niveau de l'esprit par le travail. Le corps et l'esprit, on va dire les deux. Mais voilà, le quotidien, il n'est pas là. Mais il est dans notre vie, hein, je suis bien d'accord. Hein. Il a une place d'ailleurs importante. Mais celui-ci, je ne l'ai pas mis. Oui. Alors, c'est peut-être une question bête. Il n'y en a pas, une question bête. Mais est-ce que la roue est censée représenter uniquement le temps pour ne pas se réveiller ? Ou alors, est-ce qu'on compte aussi le sommeil ? Et si on compte, dans quoi on le met ? Est-ce que ça compte dans la santé, par exemple ? Ah oui, moi, pour moi, il n'y a pas le sommeil, là. Ok. J'ai cru voir qu'il y avait une autre question. Je ne suis pas sûre. Non ? J'ai cru voir. Ok. Donc oui, pour moi, il n'y a pas le sommeil, il y a vraiment tout ce qui est éveillé et tout ce qu'on décide de faire. Je vous montre l'exemple après. Ce qui est intéressant déjà, quand on fait la roue, alors comme je vous disais, il n'y a pas de roue parfaite. L'idée, c'est juste d'avoir une image de ce que l'on vit au moment où on le fait. On va dire ça comme ça, pour avoir un petit peu une idée de comment les choses sont réparties. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a ça, c'est déjà de le regarder, parce qu'entre ce que l'on pense, et puis ce que l'on va écrire ou dessiner, déjà, il y a certainement, peut-être en tout cas, des prises de conscience qui peuvent émerger. Donc, c'est toujours intéressant d'aller, je pense, ça c'est mon avis très personnel, mais d'aller écrire ou dessiner pour voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Et une fois qu'on l'a fait, de regarder ça et de se dire, ok, qu'est-ce qui ressort pour moi ? Qu'est-ce qui me surprend ? Qu'est-ce qui me paraît plutôt chouette aussi, que je n'avais peut-être pas conscience ? D'aller regarder un petit peu tout ça et puis de se dire, ok, ça c'est ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Comment j'aimerais que ce soit demain ? Et je vous invite à faire la même chose avec une roue, votre roue idéale du moment. Donc d'aller en faire une deuxième, non pas avec la réalité, mais avec ce que vous aimeriez qui soit réaliste. J'insiste, vous pouvez faire votre roue idéale et réaliste. Les deux sont possibles et cumulables. Mais c'est important parce que sinon, à la rigueur, on enlève le travail si ce qu'on fait, ça ne nous plaît pas. Et puis voilà, on ne met que des loisirs.
mais vraiment d'aller voir concrètement dans notre agenda, comme vous disiez tout à l'heure, d'aller voir un petit peu comment il y a des choses peut-être qui peuvent s'équilibrer par rapport à ce, pardon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important pour vous et ce dans quoi vous voulez mettre votre énergie, pour que vous puissiez être un peu plus encore acteur de votre vie. Et dans l'exemple que vous avez à l'écran, la personne, peut-être qu'elle va arrêter le soir après manger de réouvrir son ordinateur pour continuer de travailler. Et à la place, elle va peut-être passer une petite soirée au restaurant avec son ou son amoureuse ou faire un petit peu plus d'activité physique le matin ou ce genre de choses. Donc, vous avez à gauche l'image de soi, de la personne qui a fait cette roue, et à droite, sa roue idéale. Donc, vous voyez qu'il y a des différences. Il y a des différences sur le travail, sur l'activité physique, sur les loisirs, sur le couple. Et relations, famille, amis, ça n'a pas été impacté. Forcément, s'il y a des choses qui baissent, il y en a qui augmentent. Enfin, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas déborder et en rajouter des petits quarts autour comme ça. Une fois qu'on a ça, on a effectivement ce que l'on vit, on a ce que l'on aimerait vivre. L'idée, ce n'est pas de se frustrer en se disant bah, « je ne suis pas du tout à ce que j'aimerais vivre ». Ce n'est pas ça l'idée, c'est vraiment de se dire « ok, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Sur quoi je peux jouer ?» pour me rapprocher, pour tendre en fait vers mon idéal. Qu'est-ce que je peux modifier aujourd'hui ? Je vous invite, si vous faites cet exercice chez vous et que vous avez effectivement des différences comme ça, à ne pas forcément vouloir tout changer d'un coup. Tout changer d'un coup, c'est un peu comme si vous faisiez, vous savez, comment ça s'appelle ? Au 1er janvier, on fait la liste des les bonnes résolutions. Est-ce que ça marche souvent, les bonnes résolutions pour vous ? Non ? Ok, ça ne marche pas très souvent. Parce que souvent, enfin, pour ceux qui le font, il y en a beaucoup en fait. Ah, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Effectivement, l'investissement, le temps, tout ça. Vous savez que pour quand on change une habitude, c'est comme si vous vouliez apprendre à conduire ou apprendre à parler une nouvelle langue. Généralement, ça ne marche pas du jour au lendemain. Il faut plusieurs séances de cours, d'apprentissage. On apprend, on répète, on répète, on répète, on répète. Comme la conduite, c'est plutôt un exemple que j'aime bien parce qu'au début, quand on apprend à conduire, donc on réfléchit à tout ce qu'on fait pour passer les vitesses, etc. Le rétroviseur, le ci, le ça, on ne peut pas nous parler, on est super concentré pour avancer et pour rien oublier, surtout le frein à main, tout ça. Et puis, avec l'expérience, on roule, on roule, on roule. Après, ça commence à devenir un réflexe. Ça y est, on a appris à conduire et là, ça y est, on peut discuter un petit peu, on peut même mettre de la musique, c'est trop bien, on peut chanter, etc. Une nouvelle habitude, c'est ça. Une habitude, c'est un réflexe. Donc, pour pouvoir avoir un réflexe, on a besoin de répéter. Ça veut dire de faire un effort. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez nous au départ. Et donc, on doit faire l'effort. Donc, imaginez quand vous faites la liste comme ça des bonnes résolutions du 1er janvier, vous vous demandez de faire des efforts sur tous ces points-là, en même temps. Il y a quand même peu de chances que vous réussissiez à faire tous ces changements en même temps. C'est un petit peu beaucoup en termes d'efforts. Donc, généralement, moi, je préconise toujours de prendre un point, le premier, le plus important, et se dire, OK, maintenant, je vais changer ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça ? Qui est-ce qui peut m'aider à changer ça ? Peut-être, parce que peut-être que vous, vous avez... peut-être que vous, vous avez les capacités de le faire, et peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir conscience de ça. Et puis également, vous posez les questions, qu'est-ce qui peut vous freiner ? Qu'est-ce qui peut vous aider ? Pour pouvoir atteindre votre nouvel objectif. Il y a une petite, ça fait quatre questions que je trouve intéressantes à chaque fois que vous avez un nouveau projet. Il y a les avantages et les risques. Et peut-être pouvez-vous poser la question, quels sont les avantages et les risques à ne rien faire ? Quels sont les avantages et les risques à garder cette roue-là ? Vraiment, sincèrement, de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je gagne à rien changer ? Qu'est-ce que je risque à rester comme ça ? Et ensuite, quels sont les avantages et les risques à aller de ce côté-là ? Qu'est-ce que je vais y perdre, peut-être ? Qu'est-ce que je vais y gagner ? Et quand on pose juste ces quatre questions, c'est vraiment pas grand-chose, mais juste ça, bah, généralement, il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas qui deviennent évidentes. Et dans ces cas-là, on se dit, OK, ça, je sais que vraiment, c'est important, donc je vais pouvoir y aller. Ça vous parle ? OK. Vous avez des questions ? Pour cette partie ? Pas encore, ok. Vous pouvez les garder pour après, parce que si ça y vient après, c'est pas gênant. Moi, je parle, mais je regarde pas ce que je fais, donc... Oui ? Oui ? Du coup, juste dernière, en fait, ça milite pour le fait que les temps de transport, ça compte dans le travail. Oui. On est d'accord. Oui. Voilà,
On va y revenir. C'est hyper important. Merci pour la question. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous invite à faire ça, parce qu'en faisant ça, vous allez pouvoir faire ressortir, comme je vous disais au tout début, ce qui est important, là où vous voulez mettre votre énergie, et vous allez pouvoir définir, au final, vous allez pouvoir commencer à définir vos priorités, vos changements, comme je vous disais, en faisant une chose après l'autre. Mais ça aussi, on en reparlera. Ça marche. Oui. Donc, on arrive au deuxième point. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du trajet, planifier son itinéraire. Puisque maintenant que vous savez, quand vous avez fait cette étape-là, ce que vous voulez, c'est OK. Après, dans mon quotidien, comment je le mets en place? Parce qu'au début de la conférence, le titre, c'était équilibre et gestion du temps. Donc, l'équilibre, on le trouve avec la première partie. On va aller voir ce qui est important pour nous, sachant que l'équilibre, on est d'accord, si je fais l'équilibre devant vous, là, comme ça, je le maintiens, ça marche, mais je fais un effort tout le temps. On est d'accord? L'équilibre, c'est ça. C'est un effort qu'on maintient tout le temps. On n'a pas une recette pour avoir l'équilibre qui dure tout le temps, sans plus rien qu'on fasse. Donc, c'est cette roue, si vous avez envie de la faire, vous pouvez la faire tous les ans. Moi, je sais que j'adore faire ça en janvier. Je redéfinis quelle a été mon année qui vient de se terminer et comment j'ai envie de vivre la nouvelle année qui démarre. Et comme ça, je peux réajuster justement en fait cette roue pour savoir de quoi j'ai envie. Donc maintenant, allons voir un petit peu cette notion plutôt de gestion du temps pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser ce qui s'appelle un plan de journée. Je ne sais pas s'il y en a qui font. Peut-être que le nom ne vous parle pas, mais peut-être que vous le faites. En tout cas, certains éléments, on va voir. Personne n'utilise un plan de journée tous les matins, hein? Si? Oui, moi, je suis psychorésine. C'est pour ça. OK. Donc, tu connais tout ce que je dis, en fait. Non, c'est que je suis intéressée un petit peu. Ah, OK. Alors, oui, je vous montre ça parce qu'en fait, je vous ai dit juste avant que cette roue de la vie va vous permettre de savoir un petit peu qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Cette notion d'important et d'urgent, peut-être que ça, vous avez aussi entendu parler, la matrice Eisenhower, c'est vraiment quelque chose qui aide, j'allais dire, c'est comme un GPS, mais vraiment, mais ça de manière très régulière pour prioriser. Je vous donne des exemples. Vous avez donc deux lignes, l'important et l'urgent. Est-ce que qui a une idée de ce qui est l'élément qui différencie les deux entre l'urgent et l'important? Temporalité. Exact. La temporalité. Si vous n'avez pas de date de donnée, c'est peut-être quelque chose d'important, mais il n'y a peut-être pas forcément d'urgence. Si vous avez une date et qu'elle est proche, là, pour le coup, ça devient très urgent. Donc, en fonction de l'urgence et en fonction de l'important, si vous prenez ce qui est en haut à droite, forcément, c'est des choses qui sont à faire tout de suite. Donc, ça, c'est des choses qui ressortent. Tiens, quelqu'un a un exemple de quelque chose qui peut être urgent et important? Nourrir le chat. T'as 7 jours. 7 jours, OK. OK, ça marche. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui devient une priorité. C'est urgent, c'est vraiment important à faire. Quelque chose qui serait important et qui ne serait pas forcément urgent. Ça dépend de la date, mais oui. Si c'est au tout début. Oui, tout à fait. Exactement. Et faire ses impôts, si vous le faites au début, bah, vous êtes au début de la date, dès que c'est ouvert. Vous êtes dans ici. Vous êtes dans « c'est important, mais ce n'est pas encore urgent ». Si vous ne le faites pas tout de suite et que vous laissez le temps passer, vous allez basculer ici, là, vous allez basculer dans l'urgence. Ça veut dire que c'est intéressant, effectivement, d'aller traiter certaines choses qui sont importantes pour éviter qu'elles arrivent dans l'urgence. Très bon exemple, super exemple des impôts. Quand on est sur quelque chose d'urgent, mais qui n'est pas important, urgent, mais pas forcément important. Ah oui, mais ça, c'est que pour déléguer, ça. Aller chercher le pain le dimanche. Ah oui, ouais, exact. Aller chercher le pain, parce qu'après, la boulangerie, elle est fermée, plus moyen d'y aller. Et pourtant, on est d'accord, s'il n'y a pas de pain, c'est pas trop grave. S'il n'y a pas de pain, bah, y a des personnes pour qui c'est important. Ah oui, ça, voilà, ça dépend des priorités. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont le mettre ici, puis il y a des gens qui vont le mettre là. Ça dépend de la notion de priorité. Exactement. Et ça, c'est très personnel, hein. Ça dépend vraiment de chacun, du métier de chacun, de la vie de chacun, etc. etc.
Donc, effectivement, quand c'est important et pas urgent, c'est quelque chose que vous pouvez planifier dans votre agenda. Quand c'est important et urgent, c'est vraiment la priorité numéro une à faire tout de suite. Quand c'est urgent, donc la boulangerie, et pas important, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre au final qui peut le faire. Et puis, quand c'est ni important ni urgent, au final, est-ce que ça a besoin de ressortir dans votre liste ? Je vous assure que quand on ne se pose pas cette question, on peut se faire des listes avec des choses qui sont comme ça, dedans, même mis au premier plan, alors qu'en fin de compte, non, il n'y a peut-être pas le moment de le faire, en fin de compte. Ça peut être ça. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va lister, mais ça peut être, vous savez, faire défiler les réseaux sociaux et trucs comme ça, alors qu'il y a plein de trucs comme ça juste à côté qui attendent sur la liste. Bon, après, on est tous humains, on fait aussi. Mais voilà, donc là, c'est peut-être des choses. Ça peut être trier ses photos sur l'ordinateur. Voilà, peut-être ni urgent, ni important. Ça dépend si vous avez un projet particulier par rapport à ça. Mais voilà, donc soit vous le ferez jamais, soit vous le ferez peut-être un jour. Vous aurez du temps et envie de le faire. Donc, en tout cas, cette matrice, si vous avez conscience de ça, elle va vous aider justement à faire ce fameux plan de journée. Et je vais vous expliquer l'avantage de ce plan de journée et à quoi ça sert exactement. De journée. Donc ce plan de journée, c'est quelque chose qui se fait en 4 étapes. L'idée, c'est que ça prenne 5 minutes. Si ça prend plus, ça devient chronophage et ça ne sert pas à grand-chose, vous allez perdre du temps. Alors au début, ça peut paraître un peu long quand on n'a pas l'habitude de le faire parce que justement, il faut prendre les réflexes, avoir réfléchi déjà aux priorités, etc. Une fois qu'on a l'habitude de faire ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment rapidement. Et c'est là, Fanny, qu'intervient les transports. Qu'interviennent les transports ici. Donc, le plan de journée, c'est quelque chose que vous faites le matin avant de commencer votre journée. Vous le faites quand vous voulez, bien sûr, au moment que ça vous intéresse. Vous pouvez même le faire la veille au soir pour le lendemain. Ça, c'est vous qui voyez si vous avez envie de le faire déjà et puis quand est-ce que vous voulez le faire. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, dans cet exemple de lister tout ce que j'ai à faire, j'ai rencontré un responsable d'entreprise, responsable d'équipe plutôt. Donc, il avait pas mal de monde dans son équipe, et lui, il se déplaçait vraiment beaucoup. Et donc, il me dit, j'ai vraiment un problème de gestion du temps, j'arrive toujours 1 à 2 heures en retard, les gens le savent, c'était vraiment énorme, les retards qu'il avait. Donc, tout le monde savait quand il avait rendez-vous avec lui, il ne savait pas s'il allait venir, s'il allait avoir le temps ou autre. Et donc, je lui dis, comment tu fais, comment ça se passe, comment tu prends tes rendez-vous, qu'est-ce que tu notes dans ton agenda? Et en fait, il enchaînait les rendez-vous d'une heure, les uns après les autres, sans noter nulle part son temps de trajet. Donc, il n'y avait aucune zone tampon, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espace, pas de transport, il était là, il avait terminé, il fallait déjà qu'il soit là-bas. Donc, on est d'accord, ça, c'est pas du tout possible, c'est pas du tout réaliste, ça ne fonctionne pas. Et automatiquement, le soir, il avait un temps de fou de retard, quoi. Ça peut paraître, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça peut paraître, mais on peut se dire quand même, c'est du bon sens. Mais ce n'est pas forcément évident d'y penser à chaque fois. Et en tout cas, voilà, lui notait juste ses rendez-vous, mais il s'était pas dit, tiens, je vais laisser un temps tampon comme ça. Donc, c'est important d'aller lister tout ce que vous avez à faire dans une journée et bien sûr, d'estimer la durée. Parce que si on ne fait pas ça, à la fin de la journée, on peut soit être frustré parce qu'on n'a fait qu'un tiers de tout ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire, soit on court partout. En tout cas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, si vous allez estimer la durée, lister les choses et estimer la durée, surtout si c'est des petites choses, des fois, on se dit, bon, ouais, mais ça, je ne vais pas estimer la durée, ça va me prendre 10 minutes ou un quart d'heure. Sauf que si vous en avez 10 comme ça dans la journée, à la fin de la journée, forcément, vous n'avez pas pu réaliser ce que vous vouliez réaliser. Donc, vraiment, je vous invite à lister tout et à estimer la durée. Sachant que je voulais quand même vous mettre quelques petites lois. Oh, vous devez les connaître, ça, les lois. La loi de Parkinson, plus vous avez du temps pour faire quelque chose, plus vous allez prendre du temps pour le faire. C'est fou, hein, mais je suis sûre que vous avez déjà, je vois Fanny qui rigole, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Mais voilà, quand je sais que j'ai quelque chose à faire pour une date qui me paraît assez loin, je me dis, c'est bon, du coup, je m'y mets un petit peu dessus de temps en temps et puis ça prend un temps de fou. Alors que quand je vois que c'est très urgent, je suis hyper efficace, je suis concentrée au maximum et du coup, ça se fait beaucoup plus vite. Donc ça, il faut le savoir, c'est humain. Voilà, plus on a de temps, plus on prend du temps. Et d'un autre côté, la manière 1 est plus fatigante que la manière 2. L'effort est plus grand, tout à fait. Mais ça dépend ce qu'on met derrière l'effort. On va le voir juste après, mais cette notion d'effort, ça peut juste être concentré sur un temps où on n'a pas de distraction, en fait.
Donc, ce n'est pas que c'est plus fatigant, c'est juste qu'on s'est, contraint à, ouais, à se concentrer et à se focaliser dessus. Ça peut être juste ça, en fait, cette notion d'effort. Mais c'est vraiment important de le savoir, voilà, sur cette loi de Parkinson. Et puis, je vous ai noté aussi de regrouper les tâches de même nature. Ça évite un petit peu les allers-retours, ça évite à l'esprit, parce qu'en plus, notre esprit, il peut vite partir quand même. Hein. On est d'accord ? L'esprit, il turbine. Son objectif, le cerveau, c'est de nous envoyer des pensées, des idées, des images. Lui, il fait que ça. Hein. Donc, il envoie, il tourne bien, généralement, pas de problème. On a plus du mal à le faire ralentir qu'à faire besoin de l'accélérer. Donc, c'est, voilà, on sait qu'il va partir dans tous les sens. Donc, plus on peut essayer de regrouper un petit peu les choses, plus on va être efficace sur tout ce que l'on fait. D'ailleurs, et ça, c'est pour répondre un petit peu à votre question, la technique Pomodoro, c'est justement, ça peut être pour être plus focus par rapport à cette notion d'effort, de se dire, voilà, je travaille 25 minutes. Par exemple, j'ai une présentation à faire. Je travaille 25 minutes dessus, je fais une pause de 5 minutes. Et pendant 25 minutes, je n'ai pas de téléphone, je n'ai rien, je préviens tout le monde, je ne veux parler à personne, je ne réponds pas au téléphone, je ne vais pas lire mes mails parce que je vois qu'il y a un mail qui arrive, je mets mon téléphone en silencieux, etc. Aucune distraction, et pendant 25 minutes, et après je fais une petite pause, et je reviens. Et quand on fait ça, généralement en termes d'effort, là on est en termes d'efficacité plutôt, on est assez élevé. Et alors celle-ci, par rapport aux petites pauses dans la loi de Pomodoro, c'est la loi d'Illich, où en fait, d'ailleurs c'est pour ça que la conférence ne fait que 1h30 et pas 4h, sinon je vous aurais perdu au bout d'un moment, c'est que le temps de concentration, il ne dure pas comme ça infini. Et à un moment donné, on a beau vouloir avancer, on n'avance plus en fait. Ça aussi, vous avez déjà vécu, à un moment donné, vous avez dit, je suis plus efficace là. Ouais. Donc il y a effectivement un temps limite à notre concentration. Il y a un moment donné où on lâche, et là l'esprit part encore plus. Et là, c'est plus difficile de le ramener. Et là, on a l'impression qu'on n'avance plus. Donc là, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux faire une pause. C'est beaucoup plus efficace de faire une pause de 5 minutes et de revenir plutôt que de vouloir persister et continuer comme ça à avancer malgré cette attention qui part. Donc voilà, vous voyez à l'écran la différence un petit peu. Quand on fait une pause, après, on peut repartir. La pause, ça peut être rapide. Hein. Ça peut être 2 minutes, aller boire un verre, aller prendre l'air ou n'importe quoi. Ce n'est pas forcément des pauses à la machine à café pendant 3 quarts d'heure. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, on est d'accord. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être rapide. Et est-ce qu'il y a pas un risque de se perdre quand on fait une pause? Parce que ça, c'est m'arrivé à mon premier boulot. Et ce que je faisais, je me disais, ok, là, je prends une pause parce que je fais n'importe quoi. Je note où j'en suis, je note ce que je veux faire. J'oublie tout, je pars. Ouais. Et quand je reviens, je relis. Et est-ce que ça, c'est une bonne idée ou est-ce que ça dépend des personnes? Alors, je pense que c'est... Faut que j'arrête de faire ça. Je pense que c'est une bonne idée parce que justement, il y a la notion de liste. C'est-à-dire que je mets où j'en suis. Comme ça, quand je peux vraiment penser à autre chose, parce que quand je reviens, j'ai juste à lire. Et ça, c'est génial. Vraiment, non, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Parce que si on part sans rien, en disant « Ah, c'est bon, je fais une pause », on pose tout, soit on va quand même avoir l'esprit encore dedans parce que justement, on n'a pas écrit, soit quand on va revenir, on va se dire « Voilà, j'en étais où ?» Donc, lister, dire « Voilà ce qu'il me reste à faire, surligner ou quoi que ce soit, faire un croquis ou n'importe », ça aide pour reprendre. Mais ouais, c'est une bonne idée, très bonne idée. À continuer, à garder. Donc, lister, estimer la durée, regrouper les tâches de même nature, on est d'accord, faire des pauses pour pouvoir se concentrer, sortir, éviter un peu les distractions sur les tâches que l'on est en train de faire. Et puis, commencer par le plus complexe et l'important. Pourquoi commencer par le plus complexe et l'important? Parce que notre cerveau, lui, ben, en fait, il aime bien se faire plaisir. Notre cerveau, il veut éviter le stress tout le temps. Il veut éviter les trucs compliqués. Tellement plus sympa, les trucs agréables. Donc, pour le coup, si on commence par tout ce qui est plaisant, plus ça va aller dans la journée, moins on va avoir envie de faire ce qui est compliqué ou on va peut-être même plus avoir le temps. Donc, il est conseillé, mais ça dépend de vous, d'avoir conscience aussi de quel est le meilleur moment dans la journée pour vous pour faire les choses peut-être plus complexes ou plus administratives ou autres, d'aller voir un petit peu, d'avoir connaissance, conscience de comment vous fonctionnez. Est-ce que l'après-midi à 14h, c'est le meilleur moment pour regarder des vidéos Est-ce que c'est le meilleur des vidéos pro ou autre, hein, mais est-ce que c'est le meilleur moment pour vous mettre dans la compta ou ce genre de choses? De vraiment voir un petit peu comment vous fonctionnez pour pouvoir voir, pour vous dire, voilà, les choses les plus complexes, je les fais à ce moment-là. Donc, il paraît que souvent, c'est plutôt le matin.
Mais après, on est quand même tous différents, donc je ne suis pas convaincue. Donc ça s'appelle ce moment-là, ça s'appelle la fenêtre d'Einstein, ce temps où on est plutôt focus. Donc c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir choisir à ce moment-là de faire les choses les plus complexes et choisir vraiment à ce moment-là d'enlever toutes les distractions pour être sûr de pouvoir le faire. Donc si c'est effectivement le matin, pour beaucoup de personnes c'est ça, mais ce n'est pas obligé pour tout le monde comme je vous disais, c'est de se dire « Ok, je fais d'abord ce qui est le plus difficile et après je sais que de toute façon ça passera, j'aurai l'esprit qui sera assez open pour faire les choses un peu plus simples. » Donc voilà un petit peu pour résumer ce plan de journée pour essayer de garder cette ligne de conduite. L'objectif en fait de ce plan, c'est vraiment de ne pas être frustré le soir, de ne pas avoir la sensation d'avoir rien fait, parce que parfois on a cette sensation-là alors qu'on a fait des choses aussi, de ne pas avoir la sensation d'en avoir fait plein ou de ne pas avoir pu faire tout ce qu'on voulait faire. Donc c'est vraiment pour enlever cette frustration, pour pouvoir être efficace. Alors on n'est pas obligé d'être psychorigide sur le plan, on n'est pas obligé, mais en tout cas ça peut être une bonne trame. Après autorisez-vous aussi à sortir du cadre, autorisez-vous ce que vous voulez hein, évidemment. Mais en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous aider, surtout sur les jours où vous savez qu'il y a peut-être un peu plus de choses ou qu'il y a des choses un petit peu plus à organiser, à gérer. Ça peut être le moment aussi de le faire. Ce n'est pas forcément une routine à faire tous les jours. Ça, après, c'est vous qui utilisez les outils comme vous avez besoin. À vos souhaits. Merci. Des questions sur cette partie? Oui, oui, oui. Qui veut? Oui. Que l'on reçoit, oui. Voilà, qui sont importantes pour certains, peut-être pas pour nous. Si on les met dans la liste, on va peut-être vouloir un peu attendre pour les faire. Enfin, il y a une relation entre les deux ou alors c'est vraiment des outils séparés? Non, pour moi, il y a une relation. Pour moi, c'est intéressant de commencer par la matrice d'abord pour définir. Alors, ça dépend si vous le faites tous les jours, par semaine, ou ça, c'est vous qui voyez par rapport à pourquoi vous le faites, enfin, dans quel cadre. Mais que si vous commencez par la matrice, vous allez effectivement définir les priorités. Et une fois que vous avez ces priorités, vous allez pouvoir faire votre plan de journée. Faire un plan de journée, si vous n'avez pas une priorité, c'est un peu comme les panneaux que je vous ai montrés tout à l'heure, où il y en a dans tous les sens. Vous risquez de ne pas trop savoir dans quel sens partir. Si vous commencez par la matrice, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est bien de les faire dans cet ordre-là. J'ai vu... Oui, il y avait une autre question. Il n'y a pas de... de journée, de se dire ok, est-ce que j'ai fait, parce que moi je me le fais ça le soir dans ma tête, d'accord, super. Mais après avoir fait le bilan de la journée, ouais, parce qu'en fait c'est au bilan qu'on verra, ah bah non, on a mis des choses moins importantes en premier, ouais, on n'aurait peut-être pas dû, ou etc. Si on fait pas cette partie bilan, la liste c'est une... Pour moi, ça fait que des vœux pieux. Alors, effectivement, soit on le met en bilan, soit c'est quelque chose qu'on va réfléchir. Alors, effectivement, soit le soir, soit le lendemain matin, quand on reprend un petit peu les choses, les priorités, etc., on va pouvoir se dire, ouais, tiens, en fait, hier, ça, c'était important, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai bien fait ma priorité? Est-ce que j'ai bien fait dans l'ordre? Bon, en fin de compte, si, ça a super bien marché, donc je vais refaire la même chose le lendemain. Donc, ça peut être effectivement soit après, soit avant, enfin, en fonction de quand est-ce que oui, vous le faites. Pas, oui, oui, tout à fait, moi, tout à fait. Et ben, vous savez quoi, la prochaine fois, je le rajouterai en point 5. Oui. Là, on parle du plan de journée, donc on est très micro. Oui. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, entre la roue et le plan, à avoir un plan plus global de au moins du mois, de la semaine? Parce que là, en faisant ça, est-ce qu'on n'est pas direct dans du micro-détail et on risque clairement de passer à côté des vrais objectifs qu'on avait? Oui, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que là effectivement on est dans l'action avec ça et dans la roue on est sur une vision un petit peu plus grande. Enfin ça dépend, on peut ressortir des choses pour la journée et la semaine aussi, mais bon ça dépend de ce qui ressort en fait de la roue. Et dans ces cas-là vous pouvez effectivement faire d'abord un plan, un plan de, mon mot, il est pas, c'est pas le mot, celui qui me vient, c'est pas celui que je voudrais dire, mais un plan un petit peu plus à moyen terme. Et puis de se dire, voilà ce que je veux comme objectif. Et après, de définir un plan d'action à l'intérieur avec les grandes étapes
Et comment je fais pour atteindre chaque étape, en fait? Parce que si on a 10 projets, oui. En fait, si on pense à la journée, on est trop dans le, oui, dans le micro. On ne pourra pas travailler sur les 10 projets. Oui, tout à fait. Donc, d'aller faire ces étapes en fonction des projets, effectivement. Si c'est un équilibre de journée à la semaine ou ce genre de choses, ça va s'enchaîner sans problème. S'il y a des objectifs qui sont plus longs ou plusieurs, plus, dans ces cas-là, ça nécessite effectivement un plan. Généralement, c'est de faire un grand plan avec... on est là aujourd'hui, mon objectif, alors mettez des dates, hein, à chaque fois, tout le temps c'est hyper important, objectif, j'ai envie de réaliser ça à cette date-là, alors ça peut être aussi ça, ça peut être aussi ça, hein, s'il y en a plusieurs, et de se dire, ok, entre aujourd'hui et cette date-là, je vais définir un plan d'action, enfin un plan plutôt, c'est ce mot que je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, cette vision en tout cas avec les grandes étapes pour l'atteindre, on positionne les grandes étapes, et après on va positionner toutes les actions à faire, la deuxième, etc., etc. Donc ça, c'est bien à faire entre les deux si vous avez des objectifs plus grands ou plus nombreux. Merci. Oui. Alors, j'ai une question. Mon ami, il est salarié en entreprise. Il est stressé parce que son chef est mauvais. Il ne peut pas contrôler son vie pendant son travail. Ah, ça veut dire que son temps de travail, il peut pas... Oui, si c'est possible que je contrôle comme plan, qu'est-ce que je peux acheter ce soir, c'est pas sûr, mais pendant le travail, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Pour l'instant, le malade de mon enfant, donc pendant son temps de travail, il n'a pas du tout de possibilité d'aller gérer tout ce qui concerne le reste de sa vie, on va dire toute la partie personnelle, c'est ça? D'accord, par rapport à son chef et dans son entreprise. Donc là, effectivement, s'il n'y a aucun temps possible dans la journée, ça veut dire vraiment anticiper. Anticiper au maximum quand c'est possible. Et effectivement, faire en dehors. Là, après, ça dépend de la relation avec le chef et des besoins aussi personnels. Mais l'anticipation, dans ces cas-là, ça peut... D'ailleurs, c'est une bonne technique pour la gestion du stress, c'est l'anticipation. Donc, plus il va pouvoir anticiper de choses, plus ça peut certainement l'aider. Mais là, après, ça peut être dans la notion de gestion du stress aussi par rapport à ça. Donc, il y a des techniques de retour au calme aussi quand il y a un coup de stress en entreprise. Est-ce qu'il y avait... Oui, il y avait d'autres questions, il me semblait. Oui, c'est toujours sur la matrice d'Eisenhower, vous dites là, estimer la durée, mais ça c'est par rapport à ça, donc c'est une estimation temporelle que l'on fait, et oui, qui peut nous aider aussi à resituer des éléments, notamment par rapport à la délégation, lorsque vous nous avez mis. Oui, sur la matrice. Parce que le tout, c'est comme c'est, ça semble très mécanique, oui, mais à force d'être mécanique, enfin, au bout d'une seconde, on peut dire, putain, j'ai rien foutu, enfin, après c'est... Alors, comment est-ce qu'on arrive à un peu, je sais pas, revenir en arrière, pondérer ça? En fait, là, alors, vous allez me dire, c'est vous les spécialistes, les coachs agiles, mais moi, j'aime bien à chaque fois, quand on définit un plan, on teste et on voit comment ça fonctionne et ensuite, on améliore. Donc, on redéfinit le plan et on réajuste par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à l'expérience qu'on a. Et on redéfinit le plan et on l'améliore constamment. C'est cette notion d'équilibre, en fait, qu'on va tout le temps améliorer. Parce que le fait d'aller estimer les durées, alors bien sûr, il faut être le plus juste possible, évidemment. Donc, il y a des fois où on se trompe complètement, parce qu'on croit que ça va durer une demi-heure, puis ça va durer trois heures. Mais plus on va le faire, plus on va le faire justement. Et justement, c'est pour éviter la frustration. Souvent, si on n'estime pas les durées et qu'on liste ce qu'on doit faire, ce que l'on pense que l'on doit faire ou ce que l'on veut faire, on en met beaucoup plus que ce que l'on peut faire dans une journée. Et là, la frustration, elle est grande. Plus on va pouvoir essayer d'estimer à chaque fois ce qu'on a à faire, plus on va se rendre compte au final qu'effectivement, ça ne rentre pas dans une journée, tout simplement. Donc, quand on va faire le plan, on va se dire, je ne peux pas en mettre plus, en fait. On n'est pas des super-héros. Enfin, un petit peu quand même tous, mais pas totalement. Donc, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc,
pour moi, le fait de faire ça, ça évite justement, enfin, ça réduit en tout cas la frustration de fin de journée. Peut-être justement insister sur l'adaptabilité. Oui. Parce que, effectivement, une première fois, tu vas te mettre un truc dans le faire immédiatement, tu ne vas pas le faire, tu vas être frustré. Oui. Une fois, tu vas le remettre du coup le lendemain. Tu vas réussir, bon, bah, est-ce que c'est vraiment à faire immédiatement, vu que j'ai pu deux fois de suite ne pas le faire immédiatement. Oui. En fait, il y a aussi cette adaptation au contexte qui fait qu'à un moment donné, tu revois aussi tes propres priorités et personnelles et ajoutées par ton environnement extérieur. Et je pense que c'est ça qui est sain dans ce que présente Peggy, c'est que justement, cette temporalité, tu pourras ensuite avoir la main mise dessus et bah, peut-être, ouais, déstresser. C'est ça. Fanny, on y va juste après. Pardon. Mais non, mais c'est génial. Tu fais la transition. Ce que tu dis, tu poses la question sur le plan de journée versus un peu, une vue un peu plus macro tout à l'heure. Ouais. En fait, moi, je fais un plan de semaine et un plan de journée. En fait, tout lundi matin, je me pose sur mon objectif de semaine. Et en faisant ça, je l'en ai eu besoin parce que justement, mes plans de journée étaient trop optimistes ou trop. J'ai quatre projets. Et en fait, j'ai oublié que j'avais quatre projets. Donc, j'oublie un autre projet. Puis le vendredi, il me manque les trois premiers. Et de faire ça, et comme disait aussi Fanny, comme tu disais, de manière itérative, oui. Moi je m'apprends aussi à me mettre des tâches où je sais que je vais les mettre en fait. C'est tout bête, mais si à la fin de la journée, j'ai cinq tâches de fait et une que j'ai pas finie, comme j'en ai cinq de fait, en fait, je suis super content et je fais moins attention à la pas finie. Et ça, c'est le côté itératif. Donc moi j'ai plein de petites tâches, où comme tu dis, des tâches qui prennent 10 minutes, mais en fait je les mets quand même en me disant, je sais que je pourrais les faire, et du coup je les fais, je les passe en effectué. Et faire ça une fois par semaine et une fois par jour, ça me prend 5 minutes parce que j'ai l'habitude maintenant. Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est hyper gratifiant. Mm. J'ai moins cet effet fin de journée. Oh là là, j'avais 20 tâches, j'en ai fait 2, je suis un loser. Et quel plaisir d'aller dire ça s'est fait. Ça, c'est top. Hein, c'est top quand même. Du coup, je reviens sur les différentes étapes, et notamment sur la lister les choses à faire. Oui. Ça nécessite aussi, du coup, d'avoir un backlog plus grand, enfin, de l'ensemble des choses qu'on voudrait faire et pas seulement sur la journée. Au fur et à mesure. Et l'étape du bilan qui est ultra nécessaire au début, notamment pour pouvoir dire ok, bah, les tâches que je me suis données sur ma journée, je n'ai pas réussi à mettre, est-ce que je les reprends sur la journée prochaine? Oui. Est-ce que je les. Si je ne les ai pas faites dans ma journée, pourquoi? Est-ce que c'était au niveau de l'estimation de la durée? Est-ce que je les ai mal regroupées ou différents points? Et peut-être après dans le futur, se dire. Est-ce que l'étape de bilan est nécessaire? Et est-ce que juste lister tout ce que j'ai à faire me permet de me poser la question après avoir pris l'habitude? Oui. De se dire, bah, de faire cette démarche-là au moment de lister ce que j'ai envie de faire sur ma journée. C'est plus une question, là. De se dire, est-ce que ce niveau de bilan serait nécessaire constamment? Si, quand on a l'habitude, on se dit, ok, lister tout ce que j'ai à faire me suffit parce que je peux déjà questionner au moment de lister tout ce que j'ai à faire. Pourquoi ça a marché, ça n'a pas marché, redéfinir l'estimation de la durée. Je pense que ça dépend des personnes et de l'habitude, de la routine en fait qui est mise en place. Parce qu'effectivement, pour moi, cette notion d'aller revoir à chaque fois mon plan, se reposer la question, effectivement, on prend l'expérience d'estimer les durées, on prend l'expérience d'afficher justement ce qui ne va pas durer longtemps, etc., etc. Le bilan au début, c'est peut-être nécessaire pour vraiment prendre ce réflexe d'analyser en fait. C'est juste analyser ce que j'ai fait. L'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, de bah, au final, c'était peut-être pas comme ça que j'aurais dû le faire. Ou comme tu disais, bah oui, mais ça fait trois fois que je le reporte alors que je l'ai mis dans l'urgent. Donc l'idée, ce n'est vraiment pas de culpabiliser, puisque ce serait dommage d'aller se rajouter ça. On se le fait déjà de plein de manières différentes. Mais c'est juste d'aller ajuster, s'adapter à chaque fois et ajuster. C'est de se dire, voilà, je vais aller définir mon fonctionnement, celui qui est le plus efficace pour moi. Et peut-être qu'au début, ça nécessite de faire un bilan à chaque fois après. Peut-être que pour certains, ça va se faire effectivement le matin en réfléchissant à ce que je veux faire aujourd'hui et comment ça s'est passé la veille, qu'est-ce que je peux ajuster. Et c'est tout le temps d'aller ajuster à son mode de fonctionnement, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est un petit oui. Mais Je me permets de rebondir, oui. Parce que moi, je fais toujours mon bilan. Et en fait, il a un intérêt, c'est pour tout ce qui est les impondérables, les trucs qui n'étaient pas prévus. Ont débarqué. Ah, c'est et on se dit, eh ben, j'ai fait que deux trucs, mais il y en a 10 que j'ai gérés qui n'étaient pas prévus, qui étaient urgents. Et en fait, en
de faire le bilan, on ne se concentre pas sur, ben on n'en a fait que deux, sur tout ce qu'on devait faire. On fait ouais, mais aussi, il y avait tout ça qui n'était pas prévu, que j'ai géré parfaitement et qui était urgent. Et c'est pour ça qu'il n'y en a que deux, et c'est pas grave. Hein, il y avait tout ça qui est arrivé en plus. Et cette partie bilan, moi je trouve qu'elle a l'avantage de dire ouais, ben ça et ça et ça et ça qui n'était pas du tout prévu. Je l'ai vachement bien géré. Super. Et bah, le reste, eh ben, c'est passé à la trappe parce que c'était moins important. Mais du coup, est-ce que tu combines cette étape de lister et de faire le bilan? Oui, en fait, je fais le bilan le soir dans ma tête de ma journée, ce qui a été fait et tout. Et puis dans ma tête, c'est et le demain, il y aura ça. Okay. Ouais, je combine les deux. Et juste pas en même temps. Parce que j'ai l'habitude. Enfin, c'est instinctif. Après, voilà, mais après, ça devient un réflexe, ce fameux réflexe, cette habitude. D'ailleurs, je voulais ajouter. Pardon. C'est le disjoncteur. Je voulais ajouter, par rapport à cette gestion du temps, il est quand même conseillé sur une journée, alors ça peut paraître beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez, mais de se laisser 1 heure à 1h30 où il n'y a rien, pour la flexibilité, pour les fameux imprévus qu'on n'avait pas pensé, parce qu'il y en a tous les jours des imprévus qui arrivent. Donc, de se laisser un petit peu de temps, justement, pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Et d'en avoir conscience le soir, c'est quand même chouette aussi. Alors, ça, c'est pour faire le bilan d'un point de vue très... voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça, ça fait du bien aussi quand on a l'impression qu'on n'a peut-être pas fait grand-chose ou effectivement qu'ils ne correspondent pas trop à la liste. On pourrait aussi réfléchir à tout ce qui s'est bien passé dans la journée. Ça fait du bien aussi le soir, avant de repartir sur notre journée. Mais effectivement, se laisser du temps pour cette flexibilité et tous ces imprévus. Et alors, on va aller... Oui. Oui. Vous disiez qu'il y en avait deux, l'actuel, enfin l'objectif, et celle qui la volonté qu'on a, mais ça signifie qu'au final, les plans de journée, l'objectif, ça va être qu'ils reflètent de plus en plus la roue finale. Mais alors, est-ce que ça ne va pas mettre des sortes de fausses priorités qu'on va se mettre parce qu'on se dit, ah, je veux à tout prix que dorénavant, comme vous l'indiquez au niveau du coup, que je passe plus de temps. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir là aussi des contradictions qui peuvent apparaître entre la volonté que j'aurai et puis les listes que je vais avoir et qui peuvent être des éléments très objectifs et qui peuvent être très embêtants par certains aspects. Enfin, y a un élément, je sais pas, mécanique là aussi qui permet de se dire je réussis à faire la journée idéale que je souhaite. Bah, en fait, ça veut dire que, alors je remonte, quand vous êtes là, hop, quand vous êtes là, ici, sur cette matrice, vous allez prendre en compte effectivement ça et vous allez vous poser la question, dans cette roue-là, si je devais prendre une chose à changer en premier, quelle importance ça a ici et ensuite, comment je l'inclus dans ma journée. C'est vraiment pour définir ce que vous avez envie, ce qui est important pour vous. Parce que peut-être que quand vous allez faire ça, il y a des choses, vous allez vous dire... Oui, ce serait bien que je fasse un peu plus de sport. Ok. Je prends cet exemple-là au hasard. Voilà, ce serait bien que je fasse un peu plus de sport. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté derrière? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce qu'il y a l'investissement? Etc. etc. On parlait du couple aussi. Oui, c'est vrai que je ne suis peut-être pas très présent à la maison ou on ne fait jamais rien, juste tous les deux. Quelle importance ça a dans ma vie? Quelle importance ça a pour moi? Quelle valeur ça a pour moi? Et en fonction de votre réponse... Donc c'est pour ça que c'est très personnel. En fonction de votre réponse, vous allez... Alors, là, on est d'accord, je parle d'une soirée avec, en amoureux. Bon, ça ne va peut-être pas ressortir là sur une matrice ou sur ce genre de choses. Mais vous n'avez pas tout listé. Alors, à telle heure, on va faire ci, à telle heure, on va faire ça. Ce n'est pas non plus l'idée. Mais c'est juste pour donner une base de réflexion, pour réfléchir un petit peu à ce qui est important pour soi. C'est surtout ça. Ensuite, prioriser un petit peu ce qui est important. Donc, ça peut paraître, effectivement... Je suis d'accord avec vous. Ça peut paraître rigide, mais après, c'est des outils. Les outils, vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est juste pour avoir une image, pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir réfléchir. C'est plus ça, pour pouvoir réfléchir à ce qui est important pour vous et ensuite, comment le mettre en pratique concrètement dans votre quotidien. C'est surtout ça. Alors, je repars dans ce sens-là. J'y suis. Et donc, comme je vous disais... Une fois qu'on a tout ça et qu'on sait à peu près, on a notre plan sur le mois, sur la semaine, sur la journée, tout est plutôt bien calé, il y a effectivement la réalité et puis il y a la vie. Et la vie, voilà,
C'est pas comme ça. C'est pas tout droit. Ça arrive, des fois, ça arrive. Mais c'est pas tout le temps. Donc, c'est savoir comment faire une fois qu'on est plutôt là, au milieu des cailloux, on est sur cette petite barque, etc. Comment on gère ça? Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. On est bien d'accord? Vraiment pas. Il y a des choses, au final, des obligations qu'on se crée. En fin de compte, on pourrait peut-être changer ça. C'est peut-être pas dans les priorités. Et puis, il y a des choses, voilà, quand on n'a pas le choix, quand vraiment ça ne dépend pas de nous, c'est comment on vit ça. Et ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, par rapport à cette notion de priorité qui vient des autres. Je m'explique. Je vous propose d'aller regarder un petit peu plus en détail deux compétences. Quand je parle de compétences, je parle, vous savez, il y a les traits de caractère. Alors, il y en a qui parlent de qualité et de défaut. Moi, j'ai horreur de dire ça. Moi, j'aime bien parler de traits de caractère, puisque un trait de caractère chez moi peut paraître pour quelqu'un une qualité, peut paraître pour quelqu'un d'autre un défaut. Donc, j'ai mes traits de caractère, vous avez les vôtres. Moi, j'aime bien, ça fait une espèce de bulle comme ça, on est avec tout ça dedans. Et donc, il y a des fois, ça va nous servir dans certaines situations. Il y a des points qui vont nous servir, d'autres qui vont nous desservir. Ça dépend un petit peu de tout ce qu'on vit. Mais en tout cas, on a tout ça. Nous sommes comme ça. Et puis, il y a les compétences. Les compétences, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc, on peut changer les compétences. D'ailleurs, je ne serai pas coach sinon, parce que l'objectif, c'est justement d'aller changer des comportements. Donc, c'est aussi d'aller apprendre des nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Donc, ce que je vous présente, les deux, ce sont vraiment des compétences. Donc, ça s'apprend. Ça se travaille. Donc, la première que je vous présente, c'est le fait d'être assertif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Ce n'est pas toujours oui. Je vois des oui, je vois des non. Alors, je vais vous... Comment ? Ok. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Alors, être assertif, vous avez vu, j'ai mis une petite cible. C'est vraiment d'aller droit au but, d'être juste, en fait. C'est surtout d'être juste. Ça reprend d'ailleurs cette notion d'équilibre. Je vous montre une image qui pourra l'expliquer beaucoup plus que mes mots. Enfin, peut-être. Je ne sais pas si tout le monde voit, je me pousse. Être assertif, c'est là. En fait, c'est l'entre-deux entre le côté agressif ou le côté passif. Quand on est en mode agressif, on va... Alors, non, je vais plutôt commencer par le passif. Quand on est en mode passif, on ne va rien dire. Vous savez, c'est un petit peu la cocotte minute. Donc, il y a des choses qui arrivent, on dit oui, pas de problème, je m'en occupe. Ou on dit même rien du tout, ou on évite des personnes, etc. Et puis, à l'intérieur, ça... Ça gonfle comme ça, ça gonfle. Puis à un moment donné, ça sort d'un coup, on ne sait pas pourquoi. L'autre en face, en tout cas, il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi ça arrive là, alors qu'il n'a presque rien dit. Donc ça, c'est le mode passif. Donc en fait, on va mettre de côté certaines de nos valeurs quand on est dans ce mode passif. Il y a des choses qui nous dérangent vraiment et pourtant, on va au final accepter. Ou même rien dire, mais du coup, on ne va rien faire contre. Quand on est en mode agressif... Bah là, pour le coup, ça va sortir beaucoup plus facilement. Donc là, la cocotte, c'est tout ouvert, ça sort tout le temps. Mais au final, pourtant, on va peut-être trop se péter, on va peut-être dire « je ne suis pas d'accord, on me demande encore de faire ça en plus », et puis on va peut-être même le faire. Et pourtant, on n'est pas d'accord. Donc là, on a beaucoup de frustration, là, on a beaucoup de colère, généralement, en mode agressif. Et en tout cas, pour la communication, c'est quand même pas très, très simple, c'est pas très fluide. Quand on est en mode assertif, on va exprimer nos valeurs, on va exprimer nos besoins, on va dire les choses en respectant l'autre et on va proposer des solutions. Et là, on est dans une communication vraiment ouverte et constructive. Donc là, l'échange est possible et là, on va pouvoir avancer. Et si je vous présente cette compétence-là, c'est par rapport à l'exemple que tu citais tout à l'heure. Ça veut dire que si ici, vous êtes au travail et il y a un collègue qui vient vous voir et qui vous dit « est-ce que tu peux faire ça ? Moi, je n'ai pas le temps, je te demande de le faire. » Donc soit vous êtes là, vous allez dire, bon, bah oui, d'accord, je vais essayer de m'en occuper, d'accord. Bon, ça ne m'arrange pas trop, je n'ai pas trop le temps, mais je vais le faire. Soit vous êtes là et vous allez l'envoyer paître en lui disant que bah non, c'est n'importe quoi, ça va bien, et vous allez peut-être crier, peut-être être désagréable, ou c'est pas forcément crier, hein, être mode agressif, mais bon, en tout cas, ça ne va pas être très sympathique dans l'échange après que vous allez avoir avec votre collègue. Si vous êtes au centre, si vous êtes plutôt assertif, peut-être que vous allez lui dire « j'entends ta demande qui est urgente, là, mais en fait, quand tu dis urgent, c'est-à-dire c'est pour quand ?» Déjà, questionner, rien que ça, commencer à poser des questions. Parce qu'effectivement, l'urgent, il n'est peut-être pas si urgent que ça. Donc, c'est pour quand ? Il y a plein de gens qui disent « c'est urgent ». Tout le monde veut que ce soit urgent. On est d'accord, les urgents, on a les urgents, les très urgents, les très très urgents maintenant. On vit dans un monde d'urgence. Donc, d'aller questionner, c'est pour quand ? Qu'est-ce qu'il y a à faire exactement ?
Qu'est-ce que toi, tu peux faire et peut-être que moi, je peux faire. Et d'aller peut-être proposer une solution. Peut-être de dire, bah, écoute, moi, en ce moment, je suis vraiment déjà débordée. On peut peut-être aller voir ensemble le manager et discuter de comment répartir les tâches, parce que moi, vraiment, je ne peux pas. Mais j'entends bien que tu es coincée. Donc, ça veut dire qu'on entend la problématique de l'autre. On lui exprime notre problématique à nous. Et ensemble, on va trouver une solution. C'est ça, être assertif. Ça veut dire que vous, vous n'allez pas ruminer et repartir avec des dossiers supplémentaires. Vous n'allez pas non plus avoir une relation totalement fermée avec votre collègue et vous n'allez pas non plus vous retrouver avec tout ça encore en plus sur votre journée. Donc, alors, ça marche pour le travail, mais ça marche pour tout. D'ailleurs, si vous avez envie de vous tester, vous pouvez le tester à la maison. C'est pas mal pour démarrer. Il y a plein de choses qu'on peut tester comme ça. C'est vraiment d'aller exprimer nos besoins, notre problématique et d'aller ensemble trouver une solution. En communication violente, on dit que le tu, tue. Donc, si vous êtes en mode agressif, vous risquez d'aller lui dire « oui, tu as fait ci, tu n'as pas fait ça, c'est toujours pareil quand tu fais ci, quand tu fais ça, etc. etc. » Et là, en termes de communication, bah, l'autre en face, il se prend que des reproches, il n'a pas du tout envie d'être sympathique généralement. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes quand vous prenez des reproches, on n'est pas très, très ouvert à la communication. Alors que si on va exprimer nos besoins, qu'est-ce qui se passe pour nous concrètement? Plus vous allez poser des questions à cet endroit-là, plus vous allez pouvoir trouver ensemble des solutions. Parce que si vous répondez direct sans même savoir vraiment de quoi retourne, quel est le sujet et ce qui se passe concrètement, ça ne va pas être une solution idéale. Donc, être assertif, c'est ça. Ça permet de faire baisser le stress aussi. Oui ? Monsieur le juge, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui ? C'est une méthode qu'on nous avait apprise en cours. Je trouvais intéressante et qui est ouais. En relation avec ça, c'est OSBD. Oui. Donc, observation, sentiment, débordement. Oui. Justement, c'est une technique de communication pour jamais mettre l'autre en porte-à-faux et faire parler les sentiments. Et c'est une technique qui permet justement de créer une communication qui est hyper positive. C'est ça. C'est la communication non violente, c'est ça, le OSBD. Ouais. Et effectivement, merci. Ceux qui sont intéressés, vous avez des livres sur la communication non violente. Alors, le titre, c'est le principal, c'est « Les mots sont des murs » ou peut-être des fenêtres, ou c'est l'inverse. Je ne sais plus dans quel sens il est. À chaque fois, je l'inverse. Mais qui est génial sur ça. Et effectivement, on peut s'entraîner en exprimant. On observe ce qui se passe. On est factuel. On pose des questions. On exprime nos besoins. Et après, on va jusqu'à une demande ou une proposition de solution. Oui. Deux minutes sur n'importe quelle situation, on peut faire le SBD. Ouais. Et c'est quasi impossible qu'on nous reproche notre communication une fois qu'on a utilisé cette méthode. Et oui, parce qu'on parle de nous, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, personne ne peut juger ce qu'on ressent, comment on voit les choses, etc. C'est très personnel. Donc, alors que quand on parle de l'autre, bah là, oui, là, c'est différent. Donc, ouais. Ouais, tout à fait. Et le deuxième, c'est prendre du recul. Ça, c'est chouette aussi, ça fait du bien. Ça permet de se détendre, ça permet de respirer, ça permet de faire une petite pause avant de basculer, justement, peut-être du côté agressif ou autre, ou du côté passif, juste de reposer un petit peu les choses quand on est un peu en situation critique. C'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, je vous ai mis une image là, à l'écran. On ne peut pas forcément tous aller au bord de la mer comme ça, respirer, crier, hurler. Quoique, en voiture, on peut crier, c'est super. Vous avez déjà crié en voiture, tout seul? Non. Oh, ça fait un bien fou. Ah, contre les autres. Mais même pour soi. Alors, moi, je sais que des fois, on me dit, ouais, mais moi, crier, j'y arrive pas comme ça. Au théâtre, on apprend à faire des petits, une respiration et un petit son qui sort à l'expiration. On fait des petits sons, des oh, ça commence tout doux, c'est un peu bizarre. Et puis, on monte comme ça en intensité, on finit par se mettre à hurler sur l'autoroute, vitre fermée, et au cri d'une voiture. Je vous assure que ça fait un bien fou quand vous avez besoin. Je teste régulièrement, c'est top. Donc, bon, vous pouvez crier. Je reviens un petit peu en arrière. Vous pouvez crier, il y a aussi plein d'autres méthodes. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui font de la relaxation, de la respiration abdominale. Je vois des oui. En tout cas, vous savez qu'on a un outil, tout ce qui est magnifique en nous, c'est la respiration. On est d'accord qu'on respire tous tout le temps, sinon on est mort. Et cette respiration, elle est inconsciente, on est d'accord. On ne réfléchit pas tout le temps qu'on est « Ah, tiens, je viens d'inspirer. Tiens, je viens d'expirer. » Mais en revanche, si on le fait en étant vraiment conscient, mais c'est juste magique en fait. Quand vous avez un coup de stress, vous pouvez juste respirer, ne serait-ce que 3 fois consciemment. Quand je dis consciemment, ça veut dire que vous avez conscience que vous êtes en train d'aspirer, que l'air entre dans votre corps, etc. Et vous êtes en conscience sur le fait d'expirer aussi. Vous le faites juste 3 fois. Vous verrez, juste ça, ça permet vraiment d'aller respirer plus largement dans le corps. Quand on est stressé, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, mais généralement, quand même, il y a des petites choses qui se bloquent là, ici, et on respire là. C'est court, c'est tout serré, etc. Quand on prend le temps de respirer consciemment, on descend plus bas
Et là, on calme, en fait. On calme la tension, on calme les nerfs. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la spasmophilie. Non. Bon, bah, en tout cas, si vous en faites un jour, faites ça, ça vous aidera. Mais franchement, la respiration, c'est top. Il y a une petite technique qui dure, qui doit durer une minute à peine, qui est la méthode un peu pause. C'est-à-dire que si vous êtes quelque part et vous avez un pic de stress qui arrive, donc il y a des fois où on peut bouger, on peut changer de pièce. Donc moi, je vous invite dans ce cas-là, si vous avez un petit coup de stress qui monte, vous changez de pièce si vous pouvez. Si vous êtes, j'en sais rien, dans une file d'attente et qu'il y a quelqu'un qui vous énerve fortement, puis tout est bloqué, vous êtes en retard, etc., vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez pas partir de la caisse, sinon vous ne pouvez plus faire la queue. Dans ces cas-là, vous pouvez juste faire ça. Vous vous tournez, vous changez d'angle de vue, vous bougez votre corps, même d'un pas, même juste un pas, ça suffit. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous décomptez de 10 à 0 lentement avec votre respiration. Vous calmez de plus en plus votre respiration, vous ralentissez et vous décomptez de 10 à 0. Juste ça. On est d'accord, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est hyper efficace. Donc, si vous avez un coup de stress, il y a plein de petites techniques. Alors, c'en est une. Hein. Il en existe plein. Il y a tout ce qui est sophrologie, yoga, méditation, pleine conscience, etc. Après, chacun trouve ce qui lui correspond et ce qui lui convient. Mais ça n'empêche que la respiration, bah, ça, on peut tous le faire et c'est assez simple. Est-ce que vous avez envie de tester ce soir? Est-ce qu'on a le temps? Parce que je ne sais pas du tout depuis quand je parle. Pour toi, combien il en reste du temps? Je suis à la fin. On peut tenter. Allez, soyons fous. Allez, 3 minutes. À peine. Ça marche? Ok. Alors, si vous voulez le faire, bah, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, bah, vous ne le faites pas. Vous êtes sur vos chaises, donc tout va bien. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont envie de le faire, déjà, décroisez les jambes et posez bien les pieds à plat. Le dos... L'idée, c'est d'être plutôt droit. Vous pouvez vous installer au fond si vous avez peur un peu d'avoir mal aux reins. Ça, c'est vous qui voyez, on ne va pas être puriste. Les mains, pareil. Soit vous les mettez à plat sur vos cuisses, dans un sens, dans l'autre. Vous les mettez en l'air. Vous les mettez, moi, je ne peux pas le faire, mais sur la poitrine et sur le ventre, comme vous êtes bien. Soit vous fermez vos yeux, si vous êtes à l'aise. Moi, je les garde ouverts, comme ça, je surveille que tout le monde va bien. OK ? Soit vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de fermer les yeux, dans ce cas-là, je vous demande plutôt d'avoir un regard bas et fixe. Parce que quand on a les yeux qui sont en l'air comme ça, bah, on a le cerveau qui fait pareil. Donc voilà, quand on a le regard bas, le cerveau, il se calme un peu. Vous êtes prêts? Ça vous va? Allez, tu gardes un œil ouvert? Donc voilà, juste vous êtes sur vos chaises, vous fermez les yeux si vous voulez, ou le regard bas pour ceux qui veulent le faire. Donc je vous invite dans un premier temps, juste... à avoir conscience de votre respiration. C'est-à-dire que vous n'allez pas la forcer, vous n'allez pas l'amplifier, juste d'aller observer votre respiration comme elle est maintenant. Observez si elle est plutôt lente, si elle est plutôt rapide ou saccadée, si elle est plutôt courte ou ample, sans jugement aucun, juste aller observer comment est votre respiration maintenant. Peut-être que vous allez sentir l'air à chaque inspiration, l'air qui entre dans les narines. Peut-être même que l'air va être un petit peu plus frais à l'entrée qu'à la sortie, au niveau des narines. Peut-être que vous allez pouvoir sentir une différence de température. Vous allez aussi peut-être sentir l'air quand l'air passe dans notre gorge. Peut-être qu'au niveau de la poitrine, vous allez pouvoir avoir quelques mouvements ou quelques sensations. Vous pouvez aussi ne rien ressentir, c'est aussi une sensation de ne pas avoir de sensations. Et puis peut-être des mouvements dans la poitrine, peut-être même les épaules. Peut-être d'ailleurs si vous voulez les relâcher un petit peu, ça peut faire aussi du bien. D'aller observer les mouvements. Est-ce qu'il est possible peut-être pour certains d'entendre votre cœur qui bat là juste maintenant, en ce moment, d'entendre les pulsations, les mouvements. Et puis peut-être pour certains aussi d'aller observer les sensations un peu plus bas au niveau du ventre. S'il y a des mouvements aussi dans cette partie-là. Peut-être qu'à chaque inspiration, la poitrine se soulève un petit peu. Peut-être que le ventre se gonfle un peu et qu'il se creuse un petit peu plus à l'expiration. Toujours sans forcer, juste en allant observer vraiment, juste comment c'est maintenant, ici et maintenant, la respiration pour chacun. Tout simplement d'observer un petit peu tout ce qu'il y a à observer dans le corps. Peut-être qu'il peut aussi y avoir un petit peu des sensations partout dans le reste du corps, puisque chacun a cette posture assise. Vous êtes assis sur une chaise. Vous devez peut-être ressentir des sensations au niveau des appuis de la chaise, peut-être au niveau des cuisses, des fessiers. Ressentir la texture de la chaise, ressentir les muscles
de vos cuisses, les appuis, peut-être quelques tensions, d'aller observer un petit peu toutes ces sensations dans cette partie du corps. Il y a les cuisses appuyées, il y a aussi peut-être pour certains le dos, juste en décidant d'aller porter notre attention. Sur notre dos maintenant, on va pouvoir aller observer les sensations qui sont présentes ici et maintenant dans le dos. S'il y a certaines tensions, certains points, certains muscles, certaines gênes ou du confort, observez par rapport aux appuis avec la chaise, observez toutes les sensations présentes dans le corps à cet endroit-là maintenant, toujours avec une respiration naturelle, sans forcer, et d'avoir conscience de tout le corps qui respire maintenant. Et puis d'aller peut-être aussi un peu plus bas, aller observer l'autre point d'appui que nous avons maintenant au niveau des pieds. Les pieds posés à plat dans nos chaussures, sensation de la chaussure, sensation du pied en appui dans la chaussure et la chaussure sur le sol. Qu'est-ce qu'on peut ressentir maintenant au niveau des pieds, des talons, des orteils? Comment notre pied, nos pieds appuient par terre maintenant? Juste d'observer, est-ce qu'il y a des sensations tout de suite au niveau des pieds? Sans bouger, juste en étant attentif, en étant observateur, en décidant de porter notre attention sur nos pieds maintenant. De respirer toujours tranquillement, d'avoir pleinement conscience du corps entier assis dans cette posture maintenant, avec chacun notre respiration maintenant, tranquillement, et puis peut-être de commencer un petit peu à bouger le bout des doigts, tout doucement, le bout des orteils, c'est peut-être un peu lourd ou pas, bouger un petit peu plus les mains, tout doucement, chacun à son rythme, bouger un petit peu les pieds. Remettre un petit peu le corps dans une autre énergie, dans l'énergie du mouvement. Bouger encore un peu plus les mains, les bras pour reprendre cette énergie. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. N'hésitez pas à vous masser, à vous étirer, à bâiller si vous avez envie, allez-y. Hein. Bâillez en grand. Détendez-vous. Comment vous vous sentez tout de suite ? Apaisé? Personne s'est endormi? Non? C'est vrai? Ah, chouette. Donc, en fonction de ce que vous avez ressenti là, peut-être que pour certains, là, ce serait prêt, vous êtes prêt pour aller vous coucher. Peut-être. Si c'est le cas, ça peut être quelque chose, effectivement, que vous pouvez faire tous les soirs avant de dormir. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire n'importe où. Alors, je vous ai fait fermer les yeux, mais vous pouvez avoir, effectivement, le regard bas. Vous pouvez faire 30 secondes comme ça, même si vous êtes dans une salle d'attente, si vous êtes même au travail, aux toilettes, attention de ne pas tomber. Mais voilà, vous pouvez vraiment utiliser ça quand vous voulez, si ça vous apporte du bien-être en tout cas, si ça vous permet de redescendre un peu en pression, ça vous permet peut-être de prendre un petit peu de recul sur la situation et de ne pas être dans le mode automatique. Quand on est dans le mode automatique, mais on pourrait refaire toute une conférence là-dessus, mais je le dis quand même parce que... Super. Quand on est dans le mode automatique, en fait, on agit directement en fonction de nos émotions. On a une émotion qui arrive et hop, on a un comportement qui arrive qui est totalement inconscient. Quand on ne peut pas gérer nos émotions, hein, des fois on dit ça, gestion des émotions, bon, moi je n'y crois pas. Les émotions, on les a, on les vit, elles ne durent pas longtemps, elles durent quelques secondes. Mais ce qui est important, ce sur quoi on peut agir, c'est juste après, c'est nos actions. Et si on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre en termes d'émotions, on peut ensuite interagir différemment sur nos actions. Et là, on n'est plus en mode automatique, on est en mode conscient. Donc, plus vous allez pouvoir faire baisser le stress quand il arrive, plus vous allez pouvoir décider de vos comportements et de vos actions et moins vous allez pouvoir être justement en mode automatique. Donc, je vous invite à prendre du recul comme ça à chaque fois que vous avez besoin. Bon, merci d'avoir tous joué le jeu sur l'exercice. Donc, ça, c'est des compétences, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais déjà, ces deux-là, vous avez le système de communication. Et il y a plein de choses si ça vous intéresse, hein, plein de livres, plein de choses possibles pour aller vers plus d'assertivité et de communication non violente, qui peuvent vraiment vous aider dans la communication et à prendre du recul, être adaptable, flexible. C'est comme ça qu'après, on peut se remettre en question et avancer. Et puis, vous allez prendre du recul aussi sur les situations. Alors, petit bilan.
Il est là, mon bilan. Donc, comme vous l'avez vu en premier, c'était la roue de la vie que je vous invite à faire, la roue de la vie aujourd'hui, et votre roue idéale et réaliste, pour savoir un petit peu les grandes lignes que vous voulez mettre en place, ce qui est important pour vous. Les plans de journée avec la matrice d'abord, pour définir effectivement les priorités pour vous ou par rapport aux autres aussi. Et puis avec le plan sur la journée avec les différentes étapes. Et puis bien sûr les compétences à développer, être assertif pour aussi au final questionner, vraiment questionner pour pouvoir refaire le point, checker sur ce qui est urgent et peut-être pas si urgent que ça. Il y a plein de fois, on se met vraiment beaucoup d'obligations à tort sur le dos. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut un petit peu réguler. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Donc, si on se met des objectifs trop grands, bah, on peut rester en bas d'échelle. Hein. Il peut ne rien se passer parce que... Alors là, je parle surtout aux gens qui sont un peu perfectionnistes. Il y en a peut-être dans la salle. Quand on est perfectionniste, souvent, on veut atteindre un niveau assez haut et ça peut être quelque chose de difficilement atteignable. Alors, je ne dis pas que quand on est là, on n'est pas perfectionniste. Hein, ce n'est pas pour autant le cas. Mais en tout cas, si on se met des objectifs un petit peu plus... alors, pas à la baisse, mais en tout cas, on va découper un petit peu les choses. Il vaut mieux avancer. On va pouvoir monter. Vous voyez, le petit bonhomme, il est là-haut. Hein. On avance plus facilement sur des petits pas que sur des grands pas, en tout cas. Donc, je vous invite à chaque fois à commencer, quand vous voulez changer quelque chose, peut-être par quelque chose de facile. Déjà, ça fait du bien. Comme tu disais, les petites choses à noter, quand on les raye, ben, on est satisfait. Confiance et on peut continuer à avancer. Vous voyez ce que j'ai mis à l'écran? Donc, je vais m'arrêter de parler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant? Oui, Fanny. Une problématique qui m'est personnelle, je ne sais pas si c'est de partager. Comment tu fais toi? Oui. Dans la vie personnelle, où il y a beaucoup plus d'émotions, généralement, je vais prendre un élément tout à fait au hasard, la gestion des ados, la communication avec les ados. Est-ce que tu arrives à utiliser les mêmes outils? Oui. Ou est-ce qu'à un moment donné, on a ce droit aussi de laisser peut-être les émotions? Alors, oui à tes deux questions, c'est-à-dire que oui, on peut utiliser les mêmes outils avec les ados et oui, on peut s'autoriser parfois à être en dehors de ça. On est quand même humain, on n'est pas des machines. Donc effectivement, on peut utiliser, oui, personnellement, il y a des fois je bascule de l'autre côté en mode cocotte minute. Et parfois, ça me permet, je sors de la pièce pour le coup, j'arrête la communication volontairement. Je l'ai testé avec les personnes de mon entourage, grand ou petit. Je dis non, là, je n'ai pas envie de communiquer parce que je sais qu'on va être en mode n'importe quoi, en mode tu, ça ne sert à rien, je ne veux pas, en fait. On attend, on prend un peu de recul tous les deux et on en reparle plus tard. Au début, ça peut surprendre l'autre parce qu'il a envie de parler tout de suite. Je ne dis pas que c'est dormir et en reparler 3 jours après, hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est juste faire baisser un peu la pression. Et pas longtemps après, quand on sent que la pression elle est descendue, on y retourne. Mais ça, des fois, on arrive à le faire tout de suite. Puis, bah, des fois, non. Et bah, c'est pas grave, effectivement. C'est aussi de ne pas se culpabiliser pour ça. On apprend tous, tout le temps. Tous. Donc, à chaque fois qu'on fait des choses, c'est là plus on est dans cette analyse et dans cette observation et dans cette prise de recul possible, plus on va pouvoir s'améliorer et améliorer notre communication parce qu'on va voir ce qui ne fonctionne pas. Ça oblige juste une remise en question. Et les choses en conscience, tout à fait, exactement. Okay. Yes. D'autres questions? Non? Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit voyage vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'aller définir justement vos grandes envies, ce qui est important pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ont émergé là pendant nos échanges ce soir. Et puis de voir, en fait, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est surtout ça, voir s'il y a des petites choses qui peuvent vous servir dans votre quotidien, ou peut-être uniquement dans certaines situations aussi, ce n'est pas obligé que ce soit à chaque fois dans le quotidien, ça dépend comment chacun fonctionne. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de se poser toutes ces questions. Alors, si vous voulez un exemple très personnel, moi, je fais un bilan chaque mois de janvier, je fais un bilan sur mon année passée et sur mon année à venir. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place sur le pro et le perso. Et je définis des mots pour ma nouvelle année. Comment j'ai envie qu'elle soit? Quel nom, quel mot j'ai envie de lui donner? Et je pose ça sur... On fait ça en famille à la maison.
au mois de janvier. Et en septembre, je recommence, mais que sur la partie pro, à chaque fois. Et je fais ça voilà, en janvier et en septembre. Donc ça, c'est mes grands points. Et comme je remets tout le temps tout en question, bah, régulièrement, je me repose les mêmes questions. Mais voilà, en tout cas, j'ai deux grandes parties dans l'année où je vais revoir un petit peu tout ça et revoir mes priorités surtout. Et sur quoi je peux agir. C'est surtout ça, pas se prendre la tête avec les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et là, on se sent acteur. Merci pour votre écoute et puis pour vos questions. Et donc, on va manger des petites pizzas. Merci.